Express FM, il dit tout le climat. Nous avons 257 centres d'enseignement à distance. Les centres d'enseignement se trouvent dans les institutions universitaires, un accès à un laboratoire et un TP. Dans les institutions, c'est un laboratoire de l'UVT, mais en fait, c'est un laboratoire, c'est un centre propre de l'institution. Et donc, les étudiants peuvent accéder à travers ce centre-là pour accéder à toutes les ressources numériques, aux formations qui existent au niveau de l'UVT. Bertrand Bouquet, je suis vice-président de l'Université de Perpignan. Je suis ravi de revenir en Tunisie. La dernière fois que je suis venu ici, ce n'était pas pour le tourisme, c'était pour le travail. C'était en 2011, c'était déjà l'Université virtuelle de Tunisie qui organisait un séminaire justement à Mamet sur les bonnes pratiques en termes de formation et de certification des compétences du numérique. Et je suis ravi de revenir vraiment et de construire régulièrement avec la Tunisie, je vous en parlerai en fait assez souvent. Alors je suis un vice-président d'université en France, donc j'ai l'université de Perpignan, quelque chose d'assez atypique, parce qu'on est petit. Si on est petit par rapport aux autres, il faut résister, ne jamais négliger la puissance du moustique un soir d'été, donc on peut être petit et embêter le monde. Et donc c'est un peu positionnement de niche. On parlait tout à l'heure de positionnement, de stratégie de l'université, des choses comme ça. Effectivement, avec, en France, les universités, avec la loi de réforme des universités, sont rentrées dans une logique de responsabilité élargie, justement. Et donc, c'est ce que vous souhaitez faire aussi. Et de plus en plus, on voit apparaître des notions. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens d'entreprise ici ou s'il n'y a que des gens d'université. On trouve aussi des exigences d'entreprise. Ce qui est intéressant, justement, et c'est ce qui m'intéressait en venant ici, hein, au-delà de revenir en Tunisie, c'est de vous présenter en fait aussi une sorte de témoignage sur comment une transformation numérique peut être faite dans une organisation. L'université est une organisation comme une autre, hein. C'est une entreprise, hein, avec plus public, mais une entreprise avant tout avec ses contraintes et ses fonctionnements, et de mettre en place en fait une transformation numérique. Ça a été mon rôle pendant 3 ans et demi. Quand je regarde maintenant, 75% de la mission de l'UVT, c'est pour l'assistance des autres établissements universitaires. Formation des techniciens, formation des formateurs, la mise en place des plateformes, développement de ressources numériques, maintenant au niveau des autres institutions. Et l'objectif au départ, c'était d'avoir 20% des modules présentiels qui courent à distance, en ligne. Alors, c'était l'objectif de sommet SMC en 2005. C'est Twitter. Twitter, si vous prenez le 9e mail server Flying Source, qui est paru cette année, il y a quelques mois à peine, Twitter est premier depuis l'année 2009. En 2007, il était 43e, 11e en 2008, et depuis 2009, il est premier. Cette théorie de la force des liens faibles. Et dans les apprentissages, aujourd'hui, les apprentissages ne sont pas figés dans une encyclopédie. L'encyclopédie universaliste ou britannica qui a été écrite dans un livre. Elle est limitée, mais c'est une Wikipédia aujourd'hui qui prend le dessus. Pourquoi? Parce qu'elle comporte des connaissances créées tous les jours. Et créées par qui? Créées par ces interactions entre les individus, qui non seulement donnent des connaissances qui ont été développées dans le cadre de laboratoires de recherche, etc., mais ils prennent par rapport aux perspectives et aux vécus de celui qui l'a aimé et qui est différent du sien. Et donc ça l'enrichit, ça lui permet de créer complètement une autre vision, une autre perception, un autre usage de la connaissance qui prendra la forme d'une autre connaissance. Un savoir solide sur ce qu'on vient de
créer, par exemple, sur Internet ou ailleurs, et savoir et action. Ce qui s'est arrivé hier dans notre chère Assemblée nationale est bien révélateur. C'est une information, entre guillemets, c'est pas un savoir, mais qui a engendré, qui a conduit beaucoup de monde en effet. Express FM, Edzi Tulkima.